Salut à tous, ici Jack, on se retrouve pour la suite de l'épisode précédent. Bon, après, c'est un petit peu le cas de tous les épisodes, vu que c'est une suite. Mais voilà, on se retrouve à la suite de l'épisode précédent. On avait commencé à visiter quelques maisons proches de la base principale. Et on a quand même nos sacs qui sont bien chargés. Et j'ai faim. J'ai faim, qu'est-ce que j'ai pris à manger? J'ai dû prendre un plat à rôtir. On va se manger le quart de ça. Alors, on est proche de la base principale. Je me souviens de ces petits. Vous voyez, ces petits garages là. Alors, visiblement, c'est encore très peuplé. Ça serait pas mal qu'on s'attelle à vider tous ces garages. On va très probablement trouver des choses tout à fait intéressantes ici. En plus, voilà, la mémoire me revient. Il y a une masse dans cette maison ou celle d'à côté. Non, elle est brûlée. C'est une des deux. C'est celle-là ou celle-là. On avait une masse à récupérer. Ça va nous permettre de péter les. Et péter les portes des garages. Oh, mais c'est encore redoutablement peuplé ici. C'est quand même fou ça. Ah. Vous avez vu, il y a des zombies dans la maison. C'est bon, lui m'a vu. Alors la minette. Que ça ne m'arrive pas dans le dos. Hop là, j'ai eu un petit freeze. C'est stressant ça. Alors, on va faire un petit. Ah, puis on a notre sac qui est juste blindé. Où est-il? C'est le deuxième sac. Voilà. Ok. On va se prendre un petit coup de bêta bloquant. Voilà. On fait attention parce que comme les arbres poussent. Ok. On va reprendre un peu le contrôle de la zone. Ouf. Ah, j'ai vu un Toki. Ouais, nickel. C'est fou, carrément, il y a encore le nombre de zombies qu'on a ici. Ah, couteau. Couteau. Je réfléchis à ce qu'on va faire parce que là, on a quand même beaucoup de zombies. Alors, je vais déjà. Ah, on va aller. Hop. On va aller se mettre ça. On va aller mettre ça à l'abri à l'intérieur déjà. On va prendre le temps de la réflexion. Mais c'est peut-être pas inintéressant. Alors peut-être déjà de consolider cette base. De consolider cette base un bon coup. Toujours peur que ça repop quand je suis pas là. Ok, on va démonter tout. On accélère le temps. Tac. Voilà. On démonte tout. Les
Électricité, ça en est où? Tac tac tac. Ah, c'est on va lire ça. Voilà, comme ça on peut déposer tout ça au sol. Récepteur radio. Bon, on a encore un tournevis hein, si on a besoin de tuer des choses. On a quand même un équipement adéquat pour ça. Fil de fer, la nourriture fraîche. On va démonter ça. Ça, on dépose ici. Ouais, ça monte. C'est très lent, hein. C'est quand même fou. C'est quand même fou que ce soit si lent. Ah oui, niveau conserve ici, on est juste blindé. Hop, ça je vais laisser là. Je crois que je me le traîne depuis. Bon allez hop, passer en mode. On pose tout en vrac sur le sol. Ça on va quand même le mettre là. Les chips. Torche, poignée de porte. Bon, on aura des petits stocks ici. Ça serait très très bien. Les charnières, on va pas s'encombrer de trop. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Les clous dans le truc principal, les cordes, je les mets là. Couteau de cuisine, couteau à beurre, tout ça, je garde, ça, je vide. Le flacon désinfectant, j'ai comme l'intuition que c'est un peu le truc qu'il faudra garder. Parce que je me suis déjà fait peur et comme je vous disais, j'ai fait une pause dans le jeu pendant pas mal de temps avec les vacances. Et du coup, j'ai un peu perdu mes petites mécaniques. Mes petites mécaniques. Non, les vitamines, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de les laisser là. C'est pas une bonne idée de les laisser là. Alors j'hésite. J'hésite pas mal. Ça, je vais le laisser là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller voir où en sont nos potes les zombies qui brûlaient. J'ai bien envie d'aller voir ça. Y a un événement sonore qui s'est situé plutôt derrière moi. Oh, mais vous avez vu ça, il continue de brûler. Ça continue de brûler. Elle m'a vu, elle n'est pas en feu, non. On voit pas de cadavre parce que bah évidemment quand les zombies brûlent, ils ne laissent pas de cadavre. Bon bah il y en a moins que quand on a laissé ça. Il y a deux épisodes, hein. Il y en a nettement moins. Ça brûle à l'intérieur. Est-ce que ça serait pas intéressant? Alors éventuellement, ouais, est-ce que ça serait pas intéressant d'aller en rapatrier un nouveau stock ici, histoire déjà de se monter un peu la compétence. De se monter la compétence. On va s'en brûler encore quelques-uns. Je vais déplacer la hache ici. Ça, je laisse ici. On a chargé à fond. On va ouvrir tout. Et non, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a qui est si lourd? Ça, on va le déplacer là. On va même mettre se mettre plutôt bien.
Deuxième sac. Alors ça, je vais le cacher. Pour voir un petit peu. Peut-être. Ah oui, il y en a pas mal ici. Je me méfie parce que on a du mal à les voir. Ok. Ça brûle. Ah, ils sont en train de brûler. Ah, est-ce que la cuisson, vous voyez, est d'une journée? C'est possible, hein? Est-ce que la cuisson est d'une journée? C'est. Oula! C'est là. Ouais, ces tas de cendres là, c'est ça perturbe visuellement. Et du coup, j'arrive pas bien à voir les zombies. Alors déjà qui bon, ils ont pas l'air alors aussi nombreux que la dernière fois. Or, on a des balles de fusil, autant les utiliser. Autant les utiliser. Oula, tu m'as fait peur, toi. Ouf. Alors, on va bêta bloquer. Voilà. Et on va recharger derrière. Par contre, il commence à faire nuit. Ça, c'était peut-être pas super brillant de ma part de commencer ça alors qu'il va faire nuit. Ouais, on les entend mourir, hein. On les entend mourir pendant qu'ils brûlent là. Alors est-ce que c'est ceux d'hier? C'est possible, hein.
Ça brûle doucement. T'es en feu, toi? Oui, t'es en feu. Tout a cramé là. Tout a cramé. Alors on a réussi à les paquer par là. Moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils viennent un peu par ici. Vous voyez? Pour que déjà ils évitent de me brûler. Évite de me cramer toute la zone. Ils sont encore super nombreux, hein. Ils sont encore super nombreux et en niveau cartouche, eh ben on a tout cramé. On a genre cramé toutes les cartouches. Alors ce qu'on va faire avec les dernières cartouches qui restent, on va essayer de les attirer par là. Essayer de les attirer par là et nous on va déguerpir. Alors, on va même passer en mode ah, j'ai plus ma hache. Oui, c'est vrai qu'elle est dans un autre. Ok. Voilà, bon, ils sont en train de brûler là-bas. Alors, on est fatigué. Pour une fois qu'on en a, on va prendre. On va manger tout ça. On va se prendre des vitamines. On va se prendre la hache. Ok. Et puis, on va se faire un retour rapide et discret. À la base. Ok. Alors ce qui est dommage hein, quand les zombies brûlent, c'est que du coup le contenu de leur bah, le contenu de l'inventaire est détruit. Donc s'il y avait des haches ou des choses comme ça, on a juste plus rien du tout quoi. Ok. Bon, ils sont en train de brûler la forêt, mais ça m'inquiète moins. Ça m'inquiète beaucoup moins. Alors, on n'a plus de balles de fusil. C'est vrai que ça part comme peau de chagrin quand même. Hein. Je suis pas sûr que cette expression ait un sens en fait. Ok. Eh ben écoutez, bon, au niveau de la cuisson, on a vu qu'on avait quand même un pâté de zombies. Alors la question c'est est-ce qu'il y en a qui sont partis par là-bas ou d'autres dans la forêt? Alors ça, on sait pas. Visiblement la forêt, ils sont allés un peu dedans, mais ils sont restés quand même à proximité de la zone de cuisson. Donc a priori, hein, on a brûlé tout ce qu'il y avait sur place. Alors je pense pas qu'on ait fait des. Oh là.
Et un pâté là-bas que on va plutôt monter discrètement. Voilà, on va grimper. Je vais laisser le fusil de chasse là-haut. Je vais le laisser là. Vu que de toute façon, on n'a plus de balles. Ah si, il nous restait 14 balles. Il nous restait 14 balles. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas mal quand même. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Alors, je pense qu'on se refera pas de bûcher zombie avant longtemps. Alors, déjà parce que c'est dangereux, parce qu'on a vite fait de mettre le feu un peu partout. Là, on a vu que quand les zombies sortaient, ça mettait le feu à la forêt. Par contre, on aura peut-être recours aux armes à feu pour déplacer des zombies quand ils sont vraiment trop nombreux. Par contre, ça marche bien, ça. On verra ça dans les prochains épisodes. Je pense qu'il vaut mieux être poussé par la nécessité que vouloir se faire plaisir. Bon, là, on s'est fait plaisir, mais jouons plutôt la prudence. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'au prochain épisode. Alors, je ne sais pas si en off, je remonte à la base et je prépare les prochains épisodes, notamment parce que j'aimerais terminer un peu les constructions qu'on avait commencées il y a pas mal d'épisodes. Je vais voir, j'ai pas encore réfléchi à ça. Voilà, bon, bah en tous les cas, pensez à mettre un petit pouce pour me dire si ce contenu vous a plu et à le partager, à laisser des commentaires et à vous abonner pour pour savoir quand les prochains épisodes vont sortir. Voilà, salut, salut!